À quoi renvoient les notions de république, nation, état ou encore citoyen? Comment améliorer le degré de compréhension de ces principes par les Gabonais? Ce sont autant de questions abordées durant cette conférence débat. Pour la juriste Marlène Fabienne Essola Efountam, dans le processus de restauration de la République du Gabon en cette période de transition, seule la conscience citoyenne devrait primer en tout temps. Je sais que beaucoup de mes compatriotes, beaucoup de mes parents me le disent souvent que tu es une vraie fifon. Tu es une vraie fifon, mais souvent avec beaucoup de gêne. J'aime à leur dire que non, je suis d'abord gabonaise avant d'être fan. Et quand on sera arrivé à cette conscience, je pense que le critère ou le caractère indivise, bien évidemment, de la République se fera montre, et ce n'est que comme cela qu'on commencera à penser, non pas ethnie d'abord, région d'abord, familiarité d'abord, coquinerie d'abord, copinerie d'abord, mais Gabon d'abord. Selon l'écrivaine gabonaise, seule une volonté politique favorable au développement et à l'engagement citoyen pourrait permettre une refondation profonde de la République gabonaise. Cet esprit et cette conscience républicaine est ce qui peut enfin restaurer la République, parce qu'on a besoin de cette éducation. Mais les personnes en capacité d'impulser ce changement sont celles qui sont au pouvoir. Alors que le Gabon se dirige peu à peu vers l'organisation d'un référendum pour adopter ou non une nouvelle constitution, une dynamique citoyenne semble de rigueur pour informer les masses quant aux enjeux de ce tournant de l'histoire du pays.